Aston Adam Mbaya du Congo. Les prisons de ceux qui ont éclairci leur peau. Mes chers, je me suis marié il y a 2 semaines. Mais quelque chose de terrible m'est arrivé la semaine dernière, en plein milieu de mon mariage. J'ai été empoisonné. Juste après le mariage, ma santé s'est détériorée. Je n'ai pas pu parler pendant 3 jours. J'ai senti que j'étais en train de mourir. Le poison avait atteint mes organes internes et je ressentais une douleur inexplicable que je n'avais jamais ressentie de ma propre vie. Je pardonne à ces gens qui ont conspiré pour m'éliminer à cause de ce témoignage et de cette solide doctrine. Vous auriez pu parler de ma mort. Mais au milieu de la douleur, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, « Vous avez encore beaucoup de temps devant vous et vous ne mourrez pas. » Ces paroles du Seigneur m'ont donné une grande assurance. Je ne savais pas que je reviendrais ici pour témoigner. Mais celui qui est aux cieux m'a dit, « Tu continueras à témoigner et tu ne mourras pas. » Cette dernière attaque m'a aidé à doubler ma vigilance. En vérité, les gens qui nous sont proches ne sont pas toujours nos amis. Le Seigneur m'a dit, si je vous montre la personne qui vous a empoisonné, vous ne croirez pas car c'est un pasteur comme vous. Mon frère, je prie que le Seigneur leur pardonne. Lorsqu'ils atteindront la connaissance, ils changeront. Je veux saisir cette occasion pour remercier l'Église de votre présence à mon mariage. Cependant, je n'étais pas content de votre parure qui était mondaine. Bien que j'aie été déçu, je n'ai pas pu réagir et vous dire que c'est juste au milieu de la célébration du mariage pour la chair que nous annonçons des choses célestes. L'Église qui accepte le maquillage où les femmes ont peint des visages ne verra pas Dieu. Nous vivons à la fin des temps alors que nous voyons l'accomplissement de la prophétie. La parure mondaine à laquelle je m'oppose était à l'ordre du jour lors de ma célébration de mariage. J'ai vu des femmes au visage peint à mon mariage. Church, j'ai remarqué que tu avais des perruques et de faux cheveux sur la tête. Je vous ai vu, femme de cette église, avec de la poudre de beauté et des vêtements exposant votre dos. Ceci malgré mon témoignage d'innombrables chambres de l'enfer. Il est clair que vous n'êtes pas prêt pour le ciel. Vous faites semblant d'aller au paradis mais vous n'êtes pas prêt. Mon mariage a été pour vous une occasion de vous perdre. Je regardais chacun de vous. J'étais heureux de votre présence et de votre service. Cependant, étant donné que je rendrai compte de vos âmes, je n'étais pas heureux. Vous adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est l'hostilité envers Dieu? Par conséquent, quiconque choisit d'être un ami du monde se rend lui-même ennemi de Dieu. Jacques 4:4. Toutes les sœurs de l'église avaient peint des visages, des perruques et de faux cheveux. Quand j'ai regardé ma femme, j'ai vu qu'elle avait aussi de faux cheveux et un visage peint. J'étais abasourdi. J'ai dit en mon cœur, « Si la trompette sonnait maintenant, ma femme, tu restes. Même si vous vous tenez debout, je vous dirai, ma femme, que l'amour entre les hommes et les femmes est terrestre, pas céleste. Le trésor de l'éternité est ce qui compte pour nous. Ne vous méprenez pas, Church. » J'ai dit à Dieu, « Si je vais mourir avec ce poison, laissez-moi avertir ces gens pour la dernière fois. Je veux vous parler aujourd'hui des chambres de ceux qui éclaircissent leur peau. » La Bible dit dans Jérémie 2:22 « Même si vous vous lavez avec du savon et utilisez une abondance de poudre nettoyante, la tache de votre culpabilité est toujours devant moi, déclare le souverain Seigneur. » Ce jour-là dans la nuit, le Seigneur est venu me dire, « Je dois vous emmener une fois de plus en enfer pour voir ces gens qui éclaircissent leur peau, détruisent leur épiderme. Tu diras à mon peuple de rester naturel, comme à sa naissance. Mon frère, si vous êtes né avec la peau foncée, restez naturel. Ceux qui sont nés à la peau claire doivent rester naturels. Pourtant, les gens veulent apporter une correction à ma création. Vous devez venir avec moi dans ce voyage. En vérité, je ne voulais pas rejoindre le Seigneur car cette expérience au-delà de la tombe m'était insupportable. C'était une réalité au-delà de l'imagination humaine. J'ai fréquenté de nombreuses écoles bibliques de théologie, mais elles ne m'ont jamais mentionné ces choses. J'ai suivi toutes sortes de formations mais on ne m'a jamais dit ces choses. C'était très difficile pour moi d'accepter ces choses que j'ai vues au-delà de la tombe qui mène à l'enfer. Quand le Seigneur m'a emmené de chez moi, en un clin d'œil, nous avons atterri en enfer. Nous étions au sommet d'une très haute montagne. J'ai vu devant nous un immense pays où il y avait des foules d'âmes à la peau brûlée. Ils sentaient l'odeur de la mort répugnante et insupportable. Ces choses étaient difficiles. J'ai vu d'innombrables âmes dans une bousculade cherchant à s'échapper. J'ai vu des démons les ramener aux flammes du feu. Il n'y avait ni sortie ni endroit pour s'échapper. Cet endroit était insupportable mais il y en avait d'innombrables dans cet endroit. Mon cher frère, la peau et la beauté que ces gens appréciaient sur terre étaient misérables et mauvaises en enfer. J'ai vu des démons les poursuivre en les conduisant au cachot de l'enfer.
C'était la perdition et la damnation éternelle. Ils ont crié au Seigneur, mais il était trop tard pour eux. Ma chérie, quand nous avons atterri dans ce vaste plan de feu, j'ai vu des machines à l'intérieur du feu que je n'ai jamais vues dans notre monde. Ces machines ressemblaient à des rectifieuses. J'ai vu des tables et des étagères où reposaient les âmes des hommes. J'ai vu des démons conduire une âme après l'autre dans cet endroit avant la barre du jugement. J'ai vu des démons lire et réciter des phrases de condamnation contre ces âmes. Je veux dire, quand des gens meurent et tombent en enfer, c'est à cause de la condamnation et de la condamnation de Dieu. Les démons lisaient des phrases et des jugements qui tombaient sur ces âmes qui ne gardaient pas la parole de Dieu. Chaque âme de cet endroit se tenait devant des démons qui lisaient le jugement et la condamnation. C'était le jugement de conscience où les âmes ont entendu la cause de la condamnation éternelle. Lorsque la première âme s'est tenue devant les démons, ils lui ont montré 4 photos de lui-même. La première photo était de son enfance, et cette photo montrait qu'il avait la peau foncée. La deuxième photo montrait que cet homme à l'âge adulte avait eu recours à des produits cosmétiques éclairs pour devenir une peau claire, et j'ai vu un démon venir avec un sac contenant de la foudre et des produits cosmétiques. Et tous ces produits criaient justice. Le démon a dit à cet homme, « Vous vous êtes transformé en changeant la couleur de votre peau. Pourtant, lorsque votre Dieu a créé toute chose, la Bible dit qu'il a vu que toute chose était bonne, mais vous avez apporté la correction dans la création et l'œuvre de votre Créateur. » Mais cet homme a répondu à ce démon, « Je ne l'ai fait que parce que je voulais être élégant. » Le démon lui a demandé, « Essayez-vous de dire que votre Créateur est incapable de vous donner même ce dont vous avez besoin. Pourquoi n'avez-vous pas assisté à son conseil pour lui demander de vous donner la peau claire ?» L'homme a dit, « Comment puis-je faire partie de ce conseil ?» Le démon a dit, « Ne savez-vous pas que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez sur terre ?» Ce démon a clairement montré que les hommes ne réalisaient pas qu'ils n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient. Je remercie Dieu que personne dans cette église n'ait changé sa peau avec ses lotions éclaircissantes. J'utilisais une lotion éclaircissante il y a de nombreuses années et j'attirais l'attention. Je faisais diverses combinaisons de différentes lotions et tubes. Nous étions comme des esclaves. Les gens me louaient pourtant. Ce démon en enfer a dit que les hommes ne sont pas autorisés à faire tout ce qu'ils veulent sur la terre. Le démon a dit à cet homme, « Les humains sont des créatures dépendantes. Votre Dieu vous a créé d'une manière que vous êtes censé vivre en fonction de lui. » Puis j'ai vu ce démon géant chauffer une machine comme un fer chauffé à haute température et le démon a repassé cet homme comme nous repassons des vêtements afin de lui enlever la peau, puis il a inondé l'homme d'acide. C'était une telle horreur et un tourment atroce. Quelle souffrance! L'homme a été brûlé comme un poisson sur le grill, mais ce n'était pas un poisson mais un autre être humain, une âme perdue. Le démon lui a dit, « Nous déplaçons l'épiderme que votre Créateur vous a donné afin de vous rendre plus blanc que la neige. » L'homme a crié, « Ô mon Dieu !» L'homme a crié, « Ô Seigneur Dieu !» et a commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Le démon lui a demandé, « De quel Dieu parlez-vous? Quel Dieu invoquez-vous ici? Sur la terre, vous étiez un adorateur de votre beauté. Ce que tu as le plus aimé, c'est l'adoration de ta beauté. » Cet homme a supplié le Seigneur mais il était trop tard. Il était tourmenté dans cet endroit horrible. Alors que les démons le couvraient d'acide, il criait et son tourment augmentait. Puis j'ai vu une femme qui était tourmentée alors qu'un démon lui coupait la gorge. Le Seigneur m'a dit qu'elle prenait des pilules pour éclaircir sa peau. Les démons la tourmentaient et lui grattaient les seins. Le Seigneur a dit, de son vivant, elle appliquait des produits pour alléger ses seins, ce qui attirait l'attention des hommes. Le Seigneur m'a montré une femme qui a été honorée dans une chanson qui rend hommage à sa beauté. Le Seigneur a dit qu'elle utilisait sa beauté comme source de revenus pour vivre dans la prostitution. Elle est sortie avec des gens de toutes les classes. En conséquence, elle a été infectée par le VIH/SIDA. Elle a utilisé toutes sortes de savons et de lotions pour éclaircir sa peau. Elle pleurait vers le Seigneur et tenait une photo de sa jeunesse lorsqu'elle était au sommet de sa beauté. Elle a dit, « Malheur à moi, le monde a rendu hommage à ma beauté. Seigneur, donne-moi l'opportunité de retourner sur terre pour retrouver ma beauté. Je suis perdu pour toujours. » J'ai dit au Seigneur, « Est-ce mal que les hommes appliquent une lotion ?» Le Seigneur a dit, « Vous ne comprenez pas ces choses. Les hommes peuvent prendre soin de leur corps. Les hommes doivent se laver et utiliser une lotion pour leur peau et utiliser du parfum. Tout cela sans essayer de modifier la couleur naturelle de leur peau. Assurez-vous de ne pas changer votre peau. Je ne suis pas contre les gens qui prennent soin d'eux-mêmes, mais contre le changement de la couleur naturelle de la peau uniquement contre la dépigmentation.
Les femmes doivent prendre soin de leurs cheveux naturels mais doivent éviter les perruques. Ils ne devraient pas utiliser de bijoux ou de perles car je m'oppose à tout cela. Ils peuvent se coiffer mais ne doivent pas mettre de faux cheveux. En enfer, j'ai aussi vu les pieds d'une personne qui était broyée dans une machine. C'était une femme qui éclaircissait la peau de ses pieds avec une lotion éclair. Le démon lui a dit, « Avez-vous remarqué que vos pieds ont séduit beaucoup d'hommes ?» Elle a crié au Seigneur pour la délivrance mais il était trop tard. Puis j'ai vu une femme qui portait des cils. Des démons avaient introduit des crochets sur ses deux cils et ils l'attiraient sur la place. Ils introduisaient également ce qui semble être des piqûres dans ses yeux. Le Seigneur a dit, « J'ai rendu mes créatures belles. Les hommes doivent garder ce que je leur ai donné. Les hommes doivent prendre soin de ce que je leur ai donné. Ils doivent rester tels que je les ai créés et ne doivent pas rechercher la transformation de leur apparence physique. Ils ne devraient pas ajouter à ce que j'ai créé, car je m'oppose à cela. » À ce moment-là, j'ai vu un groupe de démons se parler en disant, « Nous devons faire quelque chose, vous savez, les hommes sont ignorants. Nous devons faire ce qu'il faut pour les empêcher d'atteindre la connaissance de la vérité. Mettons en place des lois. » Je les ai vus rédiger des lois. La première de leurs lois dit, « Ce n'est pas un gros problème. Ce n'est rien. » J'ai entendu un démon dire, « Ils ne verront pas la gravité de leur action. Ils penseraient que leur Seigneur tolérera leurs actes. » La Bible dit dans le psaume 50:21, « Vous avez fait ces choses, et je me suis tu. Tu pensais que j'étais comme toi. Mais maintenant je vous réprimande et vous accuse en face. »